Alors là, du coup, on a la charpente avec donc on utilise des perches de sapin. On fait un grand abri de. Il fera 4 mètres par 7 mètres. Voilà, on fait une bonne structure un peu costaud avec des boulons pour que ça tienne, si possible, une petite dizaine d'années. Ce serait cool. Sur la madhouse, du coup, c'est. On utilise un mélange de paille et de terre qu'on coffre sur les murs. Donc on a laissé une épaisseur d'à peu près 10 cm pour fixer des planches. Donc on fait une épaisseur d'environ entre 10 et 15 cm. Une fois que ce sera tout sec, le mélange paille et boue, on enlèvera les planches et on pourra faire un enduit directement à la terre à l'intérieur. Ça permet d'avoir une bonne isolation. On essaye de faire en sorte que tout le monde participe. Mon chantier préféré, c'est le frame building. Parce que j'aime bien la charpente et on va faire quelque chose d'utile. Je n'ai jamais fait quelque chose qui va rester pour longtemps comme ça. C'est un très joli camp. On vit avec la nature, dans la nature. Et pour nous, les Italiens, ce n'est pas de ces façons qu'on fait en Italie.